10 cailloux. On a eu combien de cailloux? 10 cailloux. On a eu combien de cailloux? Il figure parmi les exercices qui mettent l'enseignant et les élèves en situation. Cette approche par simulation favorise le développement de l'empathie envers les élèves. Moi, je les félicite parce qu'ils sont en train de travailler. On sent de l'engouement. Vous sentez qu'ils ont besoin de cet apprentissage-là. Parce qu'il y a des gens qui ont la licence, qui ont le bac, le BPC, qui n'ont jamais fait une formation d'enseignement, mais ils sont en train de travailler sans complexe. Demain, nous allons poursuivre avec la manipulation de la fiche. Et mardi, nous allons assister à la clôture avec le directeur départemental. L'approche par situation est un outil pédagogique essentiel. La méthode facilite la compréhension et l'approbation des concepts enseignés. Et pour les enseignants, l'approche permet de saisir les vrais besoins de l'élève avec la simulation des situations concrètes souvent rencontrées en classe. Nous avons abordé les simulations. L'objectif, c'est de montrer aux enseignants communautaires la pratique des différentes disciplines à enseigner dans leurs écoles quand ils repartiront. L'enseignant ne doit pas s'embourber dans la démarche didactique en respectant les différentes étapes d'une leçon. Entre joie et fierté, Chancel Vimoupini se dit prête à expérimenter l'approche. Vous m'avez surpris en train d'enseigner parce que j'ai très bien compris la formation portait sur comment établir les fiches sur l'APES, j'ai très bien compris et là j'étais en train de transmettre ce que j'ai compris auprès de mes collègues. Je suis contente de le transmettre même dès aujourd'hui auprès de mes élèves parce que je serai capable de le faire. Les collègues qui n'ont pas compris, je leur dis d'aller relire les leçons qu'on nous a données ici. Je leur assure qu'eux aussi, ils vont comprendre comme moi. Soutenue par l'UNESCO, l'approche par situation est aujourd'hui présentée comme l'une des méthodes adaptées à l'apprentissage. Qui peut passer au tableau, refaire ce que j'ai fait en bas. Monsieur.